toi, ô Dieu, qui nous as donné ton souffle et ta respiration, le mouvement et l'air. Et c'est toi qui as pris, ô Dieu, à cœur de nous inviter à la louange de ta gloire, pour que nous venions et nous nous rassemblons autour de ta table, Père, pour chanter en ton honneur des louanges, et pour attendre de toi, ô Seigneur, ce qui est bon et nécessaire pour notre âme. Seigneur, nous te prions, ô Dieu du ciel et de la terre, de donner à chacun membre d'ici la soif, le désir, ô Dieu, de toujours t'avoir dans son cœur, pour ceux qui n'en ont pas. Pour ceux, ô Dieu, qui ne t'ont point encore rencontré, Seigneur, veille accorder ta grâce, afin que chacun de nous, ô Dieu, ait cette ferme assurance de ta sainte présence au milieu de nous. Que tu as les oreilles, ô Dieu, fixées vers ceux-là qui te cherchent d'un cœur pur, d'un cœur vrai, ô Seigneur, que tu portes les regards favorables vers ceux-là qui savent distinctement ce qu'ils font, ô Dieu du ciel et de la terre, et de la bonne manière pour le faire au devant de toi. Car tu prends plaisir, Seigneur, à ceux qui se conduisent bien, ô nous le savons, Père, et tu ne prends pas plaisir aux insensés. Père, nous ne voulons pas être des insensés, mais nous voulons être tes enfants tels que tu nous as appelés, Seigneur, et nous voulons faire toutes choses droit et agréablement à tes yeux. Accorde-nous donc la grâce, Dieu juste et saint, dans le cœur de chacun. Oui, Père, que lorsque nous sommes à ta sainte présence, que nous sachons clairement, ô Père, que nous sommes au-devant de toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui nous aimes et qui désire la communion avec toi. Père, nous sommes à toi et nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Garde notre cœur et notre pensée fixées vers toi, Dieu du ciel et de la terre. Et donne à chacun de nous d'être ferme dans ses voies. Et loin de nous la distraction. Et loin de nous, ô Dieu du ciel et de la terre, des pensées iniques, des pensées vaines. Que notre esprit, ô Seigneur, se connecte à toi en tout moment et à toute heure, Seigneur. Et que nous nous attendons uniquement à toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veille dans ton amour, Père, agréer nos louanges. Veille dans ton amour, Père, agréer nos prières. Veille, ô Dieu du ciel et de la terre, nous donner encore davantage à te louer, à te célébrer dans, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur et la gloire te revient, Père, dans toutes les siècles, dans toutes les générations, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Chantons encore des cantiques bien-aimés. Le
Tu es mon roi.
que nous tu es roi, oui, tu es du Seigneur de la paix, que nous gloire à eux, que nous soyons les aussi pères, gloire à eux. Alléluia.
toi chaque de joie quand Jésus m'a sauvée.
sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de joie, quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oh, Jésus. Un jour de joie quand Jésus m'a sauvé. Oh, Jésus. Quel jour de joie quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie quand Jésus m'a sauvé. Péché, Jésus m'a libéré. Péché du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quand Jésus m'a sauvé. J'étais condamné, Jésus m'a justifié. J'étais condamné, Jésus m'a justifié. Quel jour de joie quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie, quel jour de joie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre cela. Tu nous as rassemblés ici, Père, et tu témoignes à notre cœur que ta présence est en ce lieu. Seigneur, en ce deuxième jour, dans cette ville, dans cette maison que tu as choisie, merci, Père, de nous avoir donné la grâce de nous réunir, de nous prosterner devant de toi. Merci pour les frères et les sœurs qui sont actuellement ici. Merci pour leur cœur. Pour les uns, Dieu de gloire, tu administres ton traitement toi-même dans leur cœur. Car ici trouve des choses qui sont enfouies que nous ne pourrons pas enlever. Seigneur, de la colère, de la jalousie, du regret, du ressentiment dans nos cœurs. Et que tu daignes enlever tout cela au nom du Seigneur Jésus. Père, traite nos cœurs et travaille dans nos vies. Nous te cherchons de tous nos cœurs, Seigneur. Seigneur, lorsque nous ouvrons nos bouches pour t'adorer, nos cœurs exaltent de joie à l'intérieur. Car à l'intérieur, nous entendons ces voix, cherche ma face. Parle à nos cœurs, Seigneur. Glorifie-toi dans nos vies et que nous servions, Père de gloire, pour ta gloire, quoi que nous fassions. Donne-nous de vivre chaque jour, de comprendre chaque minute que nous sommes des esclaves à toi, que nous sommes tes enfants et que tu nous aimes tellement. Donne-nous de comprendre ton amour. Donne-nous de t'aimer également en retour, Père, et de songer toujours à la louange de ta gloire. Donne-nous de te glorifier sur cette terre. Donne-nous de te glorifier dans cette ville. Donne-nous de te servir et rien que te servir. Donne-nous d'être vrai avec toi. Donne-nous d'être vrai dans l'amour pour toi. Donne-nous de te craindre, de te servir dans nos cœurs, dans notre âme et dans notre esprit. Donne-nous, ô Dieu de gloire, dans ce dernier temps que tu nous as donné de vivre encore sur cette terre, avant que la trompette sonne, Seigneur, donne-nous d'être sérieux dans nos vies spirituelles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit glorifié alors que nous attendons à toi maintenant. Manifeste sa puissance au milieu de nous et dirige nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom que nous avons prié. Amen.
Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, bien-aimés frères. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas, frère? C'est merveilleux. Merveilleux. Le climat de l'Ouest est différent du climat du littoral. Et nous voyons la surprise ici maintenant. Je crois que ce serait mieux d'ouvrir là-bas, frère, que l'air entre, comme ça, ça nous donne le froid. Voilà. C'est bon, non, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Le couple d'hier, ceux qui étaient là, ils ne sont pas encore venus. Ou bien le morceau était trop gros. Ou bien on a dit, ces paroles sont dures, qui peut l'entendre? Bon, si vous voulez, on voit un sujet là, pour nous poser des questions. À moi, si vous avez des questions à poser. Si vous êtes d'accord, on voit un sujet. Pendant qu'on voyait un sujet qui m'est venu sur le cœur, on lit la Bible, on voit ce que le Seigneur fait. Pendant qu'on allait acheter le gaz, il y a un phénomène. Parce qu'on allait jusqu'au bout de la ville là. Parce qu'au moment où on rentrait, il y a un tourbillon terrible qui a éclaté. Parce que quand on regardait les quartiers environnants, c'était la même chose. Partout. La tempête a tourné, tourbillon dans toute la ville. J'étais en train de regarder dans une vision cette nuit-ci, regarder la ville de Douala immergée totalement dans l'eau. Enfin, la grande majorité, totalement dans l'eau. Juste parce qu'il regardait un niveau, le pont avait disparu. Regardez un niveau où le pont est dans l'eau, carrément, parce que si tu avais la voiture, tu ne sais pas comment traverser sur ce pont-là. Donc c'est terrible, il faut qu'on regarde. Chaque zone a sa part de catastrophe qui puisse arriver. Ici, il ne peut pas avoir inondation ici. Il n'y a pas d'inondation ici. Ce qui peut avoir ici, c'est les glissements de terrain et au-delà. Là-bas, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc il faut qu'on ait la pensée pour ceux du littoral du Douala là. Qu'est-ce que Dieu a annoncé dans la ville? Est-ce que c'est le bulldozer de Saint-Esprit qui parcourt la ville? Bon, s'il n'y a pas de questions, on prend la Bible, on lit, on voit un sujet, si vous voulez. On y va. Apocalypse. Apocalypse chapitre, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Hein? Ok, verset 16. Vous y êtes. Apocalypse chapitre 22, verset 16. La Bible déclare, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de la vie, l'étoile brillante du matin. Nous allons prendre un sujet là-dedans maintenant. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ici que c'est lui qui a envoyé son ange pour nous attester ces choses dans les églises. Dieu dit qu'il envoie son ange pour attester. C'est lui qui a envoyé son ange pour attester ces choses. Quelles choses? Les choses qu'il a développées tout au long de l'Apocalypse. Et par ricochet, tout ce qu'il a dit dans la Bible, puisque c'est partout, c'est lui qui envoie les gens pour parler. Et donc, il faut qu'on connaisse ces choses-là qu'il a d'attester. Attester, ça veut dire que ceci, c'est ça. C'est ceci. Il faut qu'on comprenne donc ces choses-là. Quelles sont les choses que l'ange est en train d'attester? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 et suivant, qui concerne l'église de Laodicée, il parle des reproches qu'il y a dans l'église de Laodicée. Il parle de l'esprit de l'aveuglement au niveau de la nudité par rapport aux richesses qu'on a été aveuglé, le matérialisme en outrance. Il parle de ces choses-là. Donc, Dieu et Jésus nous disent ici qu'il envoie l'ange pour attester que c'est ce qui est dans l'église. La question c'est, est-ce que nous sommes conscients du fait que ces choses-là sont dans l'église? Dieu dit qu'il atteste que ces choses-là, c'est ça qui est dans l'église. Mais nous, est-ce que nous comprenons que c'est dans l'église? Maintenant, quand même nous ici, nous pouvons attester que c'est vrai. Parce que nous avons lu la vérité, pas vrai? Qu'en est-il d'un des autres? Ou bien encore, en laissant les autres qui n'ont pas encore compris ces choses-là, quelle est notre responsabilité? Là maintenant, oui, on sait que Seigneur, nous croyons. Et l'apôtre Pierre dit que cette étoile brillante du matin, là, il faut qu'on attende jusqu'à ce que ça se lève sur nos cœurs. Quelle est notre responsabilité maintenant, ayant compris la vérité? Et Jésus dit que l'église est dans une époque d'intermédiaire entre chaud et froid.
Donc, et il dit qu'il va vomir. Mais il dit qu'on se repente. Alors la question c'est, nous qui comprenons que c'est vrai ces choses-là, qu'est-ce que nous faisons? Vous connaissez l'histoire des Récabites dans la Bible? Quel entrepreneur des Récabites? Donc, il veut parler du sujet chrétien Récabite. C'est le sujet dont je veux parler. Les chrétiens Récabites. Vous avez entendu parler? J'ai entendu ça, ma soeur. Et c'est fort. Alors, dans le livre de Jérémie, vous allez trouver ça là-bas. Tu as entendu parler, frère Achille, de Récabite? C'est où ça, frère Achille? Frère Achille dit ça fait longtemps. Donc, je vais parler du sujet chrétien Récabite. D'accord, mes soeurs? Viens comme ça. Comment tu fuis pour que je ne vois pas? Viens ici. Et contrôle sur le temps pour que l'heure de la radio qu'on y soit. Donc, je vais lire à partir du verset, chapitre 35. Nous allons lire doucement. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, vous allez lire ça. Vous, tout cas, vous allez réjouir tout simplement quand vous allez prendre en contact ce qui se trouve là-bas. Et puis, on va voir comment. Souvenez-vous, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Maintenant, nous allons lire. On va comprendre pourquoi Apocalypse chapitre 16 nous interpelle dans. Chapitre 22, verset 16 nous interpelle. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hana, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs. Au-dessus de la chambre de Marseilla, fils de Shalom, garde du seuil. Tout le monde y est. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Deux points. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Deux points. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem. Loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syriens. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Vous y êtes? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Vous entendez ce qui peut être dans le cœur du Seigneur? Écoutons. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda
et sur tous les habitants de Jérusalem, tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison de Rechabé, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rechab, ne manquera jamais les descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. 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 Que vous inspire donc ce texte qui se trouve en plein milieu de Jérémie? Vous voyez les manières de Dieu de parler, n'est-ce pas? Frère Alphonse, rassure-toi un peu plus confondre maintenant. Que t'inspire Jérémie chapitre 35? Ça m'inspire. Bon, il y a l'obéissance. L'obéissance à une parole humaine et la désobéissance à la parole divine. Oui. Les fils de Rechab qui ont obéi à la parole de leur père, le Seigneur donc prend cette perspective pour donner des reproches à son peuple, à lui. Mm-hmm. Si Rechab, qui est un homme, a pu donner des ordres que ses fils ont obéi, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu? Oui. Bonne question. Tout à l'heure, nous passions, avant d'arriver ici, on est passé dans un endroit, vous appelez ça la forêt sacrée. Mm-hmm. Pourquoi les gens de cette ville s'ils n'entrent pas dans cette forêt sacrée? Voilà, il n'y a pas de barrière. Les gens ne franchissent pas parce qu'on leur a dit, un chef humain, on leur a donné que la tradition de cette ville, Bafoussam, veut qu'on n'entre pas dans cette forêt sacrée. Les bois sont là, ça se sèche, ça tombe, la personne ne prend. Pourquoi les gens ne prennent pas? Parce qu'on leur a dans cette même ville-ci, c'est tous les gens à qui Dieu dit « Repentez-vous ». Qu'est-ce qu'ils font de cela? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela, de l'être humain devant le Seigneur? L'être humain est désobéissant. Par nature. Vous êtes d'accord tout le monde? Alors, c'est pour ça que donc, Jésus-Christ n'a pas dit dans cet Apocalypse chapitre 22, le verset 16, il n'a pas dit qu'il dit ça aux autres, mais il dit ça dans l'église. Dans les églises. Il veut qu'on atteste ces choses dans les églises. Donc, il faut que les gens comprennent dans les églises que Jésus-Christ, notre Seigneur, veut une façon de fonctionner dans les églises. Que dans les églises, qu'il y ait une façon de fonctionner. Comme l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15, que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Voici des êtres humains qui ont obéi à leurs parents. On leur donne le vin. On n'a pas épilogué sur les différents aspects du fait. Voici le pourquoi on ne doit pas faire. Ils disent que Jonadab, fils de Rechab, nous a dit de ne pas boire. Un point, un trait, nous ne buvons pas. Et Dieu a attesté qu'ils n'ont pas bu jusqu'à ces jours. Donc quand ils ont parlé, Dieu a vu dans le ciel, il est resté tranquille. Il voit comment ils suivent l'ordre de leur père. Et il dit à la maison d'Israël qu'il a envoyé ses prophètes le matin. Envoyé ses serviteurs le prophète le matin pour les avertir que chacun revient de sa mauvaise voie. Remarque bien, et remarquons bien, que Dieu ne dit pas qu'on fasse quelque chose pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Il dit bien, Dieu n'a pas donné l'ordre là qu'on fasse quelque chose pour lui. Tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour Dieu. Quand on dit qu'on sert Dieu là, en réalité, c'est les hommes. On donne quoi à Dieu? Rien. Hein, frère Achille, est-ce qu'on lui donne quelque chose? Qu'est-ce que, depuis qu'on est né là, qui a donné quoi à Dieu? Est-ce que quelqu'un met la main gauche dans la poche, il me dit que Seigneur, tu sais que depuis longtemps, j'ai abandonné tout pour te servir. Comment il a abandonné tout pour le servir? On se comprend jusque là. Hein? Alors quand on a abandonné tout pour le servir, comment est-ce qu'on veut le servir? Comment est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait selon ce qu'il veut? C'est-à-dire que, est-ce que les instructions qu'il donne, est-ce que nous marchons d'après ces instructions? Voici les êtres humains qui respectent les données des êtres, d'un autre être humain qui a donné ses ordres et qui est mort depuis. On se comprend, frère? Alors ça veut dire que qu'est-ce que ça nous implique dans l'église aujourd'hui? Comme je vous ai dit hier, que les doctrines de l'église ne se discutent pas. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de lui qui envoie ses anges pour dire, voici comment ça doit se passer dans l'église. Quand il y a des situations, il envoie ses anges là donc pour dire, voici dans cette église-là, il dit que voici ce que j'ai contre toi, voici ce que j'ai fait pour telle chose, voici ce que vous devez faire encore. Quand il dit cela, l'instruction est donnée et il n'y a pas de philosophie à faire. Donc, pour notre époque, le Seigneur Jésus appelle à la repentance. C'est ce que nous devons faire, la repentance et la sanctification. C'est sur ça qu'on doit axer. Tout doit tourner autour de cela. C'est pour ça que les gens sont surpris. Lorsqu'on a déjà eu à vivre d'une certaine façon religieuse, quand on a des prêchés comme ça, là, les gens disent que ça, ce sont les évangiles des anciens pères. Que c'est les évangiles de 1900. Ouais.
Effectivement, Dieu veut qu'on devienne, on revienne non seulement dans l'évangile de 1900, ouais, de l'an 0, ouais. C'est là où il veut qu'on arrive. Donc, le témoignage que les gens disent que ça, c'est l'ancien évangile, ça, c'est l'ancien, que ses parents qui prêchaient cela, ça montre que c'était l'évangile vrai, qui n'était pas dilué. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas l'évangile qui est à la mode. Il faut la sainteté. La Bible nous dit clairement que sans la sanctification et la paix là, on ne verra pas la face du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rencontrer. On va seulement rencontrer sur le cours du jugement. Et remarquons bien qu'il s'agit de la sanctification encore ici dans le livre de Jérémie. Quand il dit qu'on se sépare des yeux étrangers, c'est la nettoyage, c'est la sanctification. On se sanctifie pour se consacrer au Seigneur. Et ils n'ont pas voulu. Au chapitre 40 et 42 jusqu'à 44, là, ils vont dire, même demander à Jérémie, que va demander, prie ton Dieu pour demander si nous allons aller en Égypte ou bien nous allons rester dans ce pays. Jérémie a dit que vous êtes d'accord, si vous priez, vous allez entendre. Ils ont dit, hey, on va suivre le nom de ton Dieu, on va suivre tout. La Bible déclare que 10 jours après, Dieu a dit à Jérémie que ainsi parle l'Éternel, ne descendez pas en Égypte. Quand on dit que c'est pas ton Dieu, là, ils ont commencé à dire ton Dieu, que Dieu ne t'a point parlé. Jérémie a dit que non, vous avez dit que ils ont dit que même toi tu vas descendre en Égypte. Ils ont attrapé Jérémie comme ça là, que même tu vas descendre en Égypte. On tirait Jérémie, qu'il s'est la poussée comme ça pour aller en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus prier, ayant déjà leur réponse à eux. Ils voulaient qu'on confirme, c'est sorti le contraire. Ils ont dit le contraire. C'est comme ça l'être humain, difficile. Alors nous qui sommes dans l'église, et que nous voulons, nous comprenons ces choses-là, nous voyons donc que nous avons une grande responsabilité. Des premières choses, vérifier que nous sommes sur la ligne droite. Première chose, vérifions que nous sommes dans la ligne droite. Maintenant, lorsque nous avions, avant que nous allions pour le baptême aujourd'hui, si vous rencontriez les gens qui devaient baptiser, vous savez au moins que la vérité c'était ça. Mais comment vous allez faire pour vous que vous êtes là? Ça se pose que dans ce cas, vous êtes des panneaux indicateurs. C'est-à-dire que allez vous faire baptiser de la même façon, de la bonne façon. Moi, je ne suis pas baptisé de la bonne façon. Or, les disciples de Jésus-Christ doivent se mettre en règle. Comme l'apôtre Paul dit dans celui de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, il imite un exemple. Et il transmet cet exemple-là à d'autres. Pas aujourd'hui où on dit. Fais ce que je dis et ne fais pas ce que j'ai fait. Souvenons-nous encore de Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, il dit moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Au verset 14, en haut, il dit que je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement de la... Oh, c'est terrible, mon frère. Donc, celui qui a le dernier mot. Si celui qui a le dernier mot, souvenons-nous, il dit ici, en fermant le livre de la Bible, quand il voulait présenter cette église-là, il a dit, je bâtirai mon église. Il bâtit l'église, après il vient attester les choses, comment l'église doit fonctionner. Il envoie l'ange pour dire comment ça va fonctionner. Mais les êtres humains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils font dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils font avec l'église du Seigneur Jésus-Christ? Les gens ont mis leurs propres pensées. Et ils veulent que Dieu accepte leurs pensées. Il veut servir Dieu comme il pense. Et la Bible déclare, aucune fondation ne peut plus être mise. On se comprend? Les récapitulations nous donnent plusieurs enseignements. L'enseignement, rester strict dans l'ordre sans changer, même si les temps changent. Rester strict dans l'ordre qu'on a reçu. Dans les commandements qu'on a reçus, dans les prescriptions qu'on a reçues, nonobstant ce qui se trouve autour de nous. L'instruction que Dieu a donnée à l'église, c'est quoi? Qu'est-ce qui se trouve autour de nous? Nous devons tenir ferme dans ces instructions. Jésus, qu'est-ce qu'il a attesté dans les églises? Qu'est-ce qu'il a dit? Hier, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 37, tu as lu. Non, c'est pas toi, c'était le frère qui était là. Il a dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui a instruit à l'église que la femme doit se taire. N'est-ce pas ça? Alors, ça veut dire que c'est son commandement. Voilà comment il a attesté sur eux dans l'église. Par son messager Paul, que voilà comment il enseigne dans toutes les églises. Comment donc on peut dire le contrôle du frère tout en étant serviteur du Seigneur? Comment? Comment on peut donc dire qu'on a desservi Dieu en disant ces choses-là? Et il dit, si c'est le même Dieu, l'apôtre Paul dit, si c'est le même Dieu qui vous a envoyé, il doit vous dire la même chose qui a été dit ici. Parce qu'un commandement ne change pas d'époque. Un commandement n'alterne pas selon le modernisme. Toute modernité doit se conformer à la parole. Même si la terre, c'est la même Bible qu'on lit depuis des années. Si l'apôtre Pierre vient ici, il va les rediscuter. Hey, ça, c'est ce qu'il avait dit depuis. Parce que ça n'a pas changé. C'est la puissance de Dieu pour transformer des vies. Et ça a transformé des vies au fur et à mesure. Quand tu confrontes cette parole, soit ça te transforme, soit ça te débrise. C'est comme ça. Si ça te transforme, tu vas commencer à comprendre maintenant où est-ce que ça doit être indiqué.
C'est pour cela que Dieu a dit, fait de façon spécifique de ne pas citer des noms là-bas. Parce qu'il savait que les choses devaient venir pour les époques. Quand tu lis, Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ça en langue 95, en langue 65, au siècle présent. Chaque siècle a ses aspects de péché qui arrivent. Vous lisez chaque siècle, vous allez voir effectivement que ça a tous les aspects. Tous les aspects. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, qu'est-ce qui a de causer le problème avec l'intelligence? L'atmosphère tout autour de nous traite sur les pensées, comme on a vu hier. Les pensées sont bombardées pour nous faire penser autrement. Mais il dit, soyez renouvelés, on va être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Vous voyez comment ça en est. Donc, Dieu a spécifiquement mis les ordres dans la Bible, les instructions par rapport à l'Église, comment il veut qu'on arrive à lui. Mais je veux qu'on remarque ce qui se passe. Les gens tout autour des récabites buvaient du vin, faisaient des chants, mais il y a une ordre qui leur avait été donnée. On pouvait leur taxer des radicaux, taxer de n'importe quoi, mais ils avaient reçu un ordre. Ils avaient reçu un ordre. Ils ne bougeaient ni à gauche, ni à droite par rapport à l'ordre que leur père avait donné. Dieu prend cela pour dire que si ceux-ci obéissent à l'être humain, comment Israël ne peut même pas comprendre son Dieu? Comment ils ne peuvent pas obéir? Et je veux que vous remarquez une chose, c'est qu'ils n'obéissent pas à Dieu parce que Dieu leur a demandé d'aller couper le bois pour venir lui donner. C'est pour leur propre vie. Il dit que je leur ai envoyé le serviteur pour leur dire, repentez-vous, réformez vos voies, amendez vos voies. Donc, redressez vos voies. Vous allez vers gauche, vers droite, dans le sud, tout en revers, revenez au Dieu d'Israël. C'est tout ce que Dieu leur demande. Donc, vous savez, dans ce livre de chapitre, dans ce même Jérémie chapitre 7, verset 14 et suivant, ils ont dit clairement à Jérémie que quand ils invoquaient la reine du ciel, ils avaient des bénédictions. Ils avaient du pain pour manger, mais depuis qu'ils servent l'Éternel là, ce n'est que les disaient. N'est-ce pas? Non, n'est-ce pas terrible que quelqu'un puisse déclarer ces choses-là, connaissant Dieu? N'est-ce pas terrible qu'un pasteur puisse dire, frère Junior, ce que tu dis est vrai, mais comment on va vivre? N'est-ce pas terrible que quelqu'un puisse dire que, frère, je sais qu'elle a dit, mais elle n'est pas pour les chrétiens, mais les chrétiens sont trop chiches. Il faut qu'on leur fasse payer cela pour qu'au moins, le jour qu'ils vont comprendre qu'ils prennent position. N'est-ce pas terrible qu'un être humain puisse dire cela, se disant serviteur du Seigneur? N'est-ce pas terrible qu'un serviteur se réunit avec ses collaborateurs enfermés dans une chambre, en disant que quelles sont les stratégies pour faire pour que les gens payent? Vous savez que qui sont parmi les gens qui ont repéré les gens dans la foule, qui travaillent, qui ont le poste de responsabilité, pourquoi on les confie le poste de responsabilité, frère? N'est-ce pas terrible ça? N'est-ce pas terrible de savoir que c'est dans l'église du Seigneur Jésus qu'on a de faire ces choses-là, alors que la Bible déclare que qu'on soit vrai avec les uns et les autres? N'est-ce pas terrible que de savoir que quelqu'un s'appelle serviteur de Dieu et qu'il a la barbe ou bien un savon ou bien un mouchoir quelque part qu'il utilise pour faire des miracles en étant là-dedans, dire au Seigneur Jésus, tu es puissant, sachant qu'en lui-même, ce n'est pas le Dieu vivant qu'il a appelé, frère? N'est-ce pas terrible en milieu chrétien ça? N'est-ce pas terrible? Et Jésus dit que c'est moi qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Quelle est notre responsabilité? La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 12, versets 45 à 47, il dit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a pas préparé, en conséquence sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui l'ayant connu a fait des choses dignes de châtiment sera frappé d'un peu de coups. Donc que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, on sera frappé. Donc ça veut dire qu'il faudra que qu'on connaisse la volonté de notre maître. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Il n'y a pas de chrétiens récabites, ce sont les chrétiens obéissants. Les chrétiens qui tiennent ferme. Les chrétiens pèlerins. Les chrétiens qui comprennent que leur domicile, ce n'est pas sur la terre, que leur domicile, c'est en haut. Donc les chrétiens pèlerins. Les chrétiens récabites. Les chrétiens obéissants. Les chrétiens qui attrapent la loi, les instructions, les commandements de leur père, sans s'en détourner. Êtes-vous, ou bien sommes-nous, les chrétiens récabites? J'ose penser que oui, n'est-ce pas? Leurs frères ont donné le commandement. Lorsqu'ils savaient qu'ils devaient quitter la terre, ils transmettaient le même commandement. Puisque ce sont les arrêts petits-fils des récabites qui étaient là en train de parler. Ils disent que notre père nous a dit, Jonadab nous a dit que Récab avait dit que nous ne buvons pas du vin. Personne ne sait seulement si les deux petits, mais un ne voit pas le vin pourquoi, l'autre voit pourquoi. Sinon, il ne savait pas de l'autre. Il ne savait pas de dire pourquoi Dieu m'interdit de prendre plus de deux femmes alors que le chef a 70 femmes. C'est son problème avec Dieu. Il s'agit de toi et de Dieu. Donc, si nous sommes dans l'église, il y a une façon de marcher dans l'église. Il faut qu'on, on garde dans notre esprit. Je ne sais pas si il va vite. C'est bon. Ok, parce que. Donc, il faut qu'on comprenne que, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de Dieu. C'est un principe fondamental que ça nous a manqué, bien qu'on le connaisse. Il s'agit de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une entreprise, d'une œuvre humaine ou bien d'une entreprise, d'un nom, l'entreprise d'une certaine personnalité. Il a dit, je bâtirai
Il n'a pas dit je bâtirai votre église. Il n'a pas dit je bâtirai l'église de tel. Il dit je bâtirai mon église. Il a déjà envoyé mon ange dans les deux pour vous attester ces choses. Que vous compreniez que c'est vrai ces choses-là que les anges ont dit, les messagers sont en train de prêcher. L'apôtre peut dire que je suis plus du sang de vous tous, car je vous ai transmis quoi? Tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est que Dieu a dit que dis-le, je vous ai dit cela. C'est écrit là-dedans. Maintenant, je m'en dégage, je tire ma révérence. La responsabilité de votre vie, c'est entre vous maintenant. Tout ce que je peux faire, verset 32 de ce chapitre 20 de Actes des Apôtres, il dit, je vous recommande à la parole de sa grâce. Donc maintenant, je vous recommande derrière la parole. Il dit, cette parole-là peut vous donner, peut vous sanctifier et vous donner l'héritage avec les sanctifiés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sois carré là-dedans. C'est comme ça qu'on m'insulte à la radio. Que tu es carré. Il veut que je sois rectangulaire. Non, carré. D'accord? Qui est carré aussi? Mais vous dites souvent dans votre cœur que le frère Junior exagère quand même, non? Comment j'exagère alors? Vous dites vous êtes carré. Mais votre carré est un peu plus petit. Donc, s'il y avait la possibilité de faire entrer ceci en vous, je le ferais pour que vous restiez ici dedans. Ne bougez pas d'un cran de ce livre. Ne bougez pas d'un cran, n'allez pas à gauche. Ne faites pas, vous ne pensez pas. Il a pensé, il a donné les ordres, les instructions, c'est attesté, c'est oui. Et amen. Ce qui refuse, refusez. Ce qui accepte, acceptez. Et avancez. Regarde quelqu'un doucement. Dis que mon frère récabite. Tu es récabite? Mon frère récabite. Vous êtes récabite, n'est-ce pas? Nous sommes des récabites. C'est ça, n'est-ce pas? Donc les chrétiens obéissants. Pensez-vous que quand un récabite grandisse, il doit être convaincu pour ne pas boire le vin? Non. L'instruction n'a pas besoin de conviction. L'instruction a besoin d'obéissance et de soumission. Amen. Personne n'a jamais fait de campagne d'évangélisation dans le monde. Quand il parle d'évangélisation, il parle en termes mondains. Il parle de la Bible, il parle pas de la Bible. Quand la loi sort, on dit que le taux de TVA c'est 19,27%. On vous a fait de campagne pour dire si vous non vous êtes convaincu. Quand tu peux acheter quelque chose, on impose le TVA. Tu sais même qu'il y a le TVA dedans. On subit tout simplement. Tout ce que tu achètes là-bas, il y a automatiquement la TVA. C'est pas ça? C'est ça. Mais dans ce cas, pourquoi pour Dieu, on dit qu'il faut que Dieu me convainc? L'autre aussi me dépasse. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ok, je ne permets, c'est clair, il n'y a pas de parabole. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais si les hommes périssent là-dehors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne savait pas qu'il y avait les gens. Quand il écrivait ça, il n'y a pas les hommes dehors. Hein, mes chers frères? Vous me comprenez? Quand il dit, je ne permets pas, qui est en train de parler? Et quelqu'un est sur la terre, et il parle comme ça, sur sa chose. Il dit que je ne permets pas que dans mon église, je ne permets pas que la femme enseigne. C'est malsain pour une femme de parler dans mon église. Toi, tu es à l'extérieur, tu veux discuter avec lui que non, il ne voit pas que quelqu'un périsse dehors. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on soit les juifs de Juda et de Jérusalem. Il ne faut pas qu'on soit au Holiba. N'est-ce pas? Nous sommes des récabites. Ceux qui obéissent tout simplement. Tout simplement, sans poser des questions à Dieu. Pourquoi? La Bible déclare que les vases de terre, que tu dis au potier qu'il a fait, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais nous sermons non Dieu. Nous lui posons des questions. Seigneur, dis-moi pourquoi tu as fait telle chose comme ça. Il va te rendre compte. Donc, on est plutôt juge de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est juge. Seigneur, dis-moi, si Dieu ne me dit pas, je n'avance pas. Ok, reste là-bas, tu vois. Amen. Récabite, dis à quelqu'un, récabite. Gardons ceci à l'esprit. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de lui qui est descendu du ciel, mourir à la croix pour racheter son peuple. Son peuple, il a donné un code de conduite pour son peuple. Il a donné un code de conduite. Et ce code de conduite, on appelle donc ça la doctrine originelle des apôtres. Ou mieux encore, pour simplifier la chose, la saine doctrine. La saine doctrine, ça ne se discute pas. La Bible déclare donc que si quelqu'un enseigne d'autres faux enseignements sans s'attacher à la doctrine de Christ qui est selon la piété, il est orgueilleux, il ne sait pas, il a démangeaison. C'est le Kamnogo qui est sur lui. Donc c'est ça qu'on doit enseigner. D'accord? La Bible déclare dans ce livre de Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 23, il dit que c'est en lui, le Seigneur Yeshua,
que vous avez appris à vous dépouiller en lui. Il dit si du moins vous avez eu la vérité là qui est en lui. Donc si nous a enseigné de la bonne façon. On suit ça, ma soeur. Quelqu'un dit encore récabé. Récabé. Je vous ai dit hier, vous les femmes, que votre esprit, même s'il n'y a pas de démons, vous avez des problèmes. C'est la majorité de ces choses, ce sont les femmes. Parce que on dit enlève le fleuve. Pourquoi je dois enlever? Dis-moi. Elle fait une voix, tu ne penses pas que, malgré que c'est là. Et là, on commence à voir. Vous voyez, les gens suivent des choses comme ça là. Ils lisent ça dans la Bible. Ils cherchent, commencent à chercher quelqu'un qui peut avoir une autre idée contraire à ce qui est écrit là-bas. De, au moins, s'ils trouvent quelqu'un qui peut dire quelque chose en dehors de cela. Il dit, donc tu me dis que la grande femme de Dieu là, qui ne se couvre pas là, Dieu va la juger. Il n'a pas dit K1 pour les grandes femmes de Dieu. K2 si tu pries, Dieu exauce. Souvenez-vous dans Jérémie chapitre 7, Dieu exaucait les prières des gens de Juda. Ils avaient des bénédictions, ils avaient des exaucements, mais ça ne venait pas de Dieu. Puisqu'ils ont attesté que quand ils servaient la reine du ciel, ils avaient la nourriture. Mais depuis qu'ils ont compris pour Dieu, là, Dieu lui, il fonctionne qu'en son temps. La reine du ciel donne ça là, là, là. Il suffit de faire des libations. On fait l'ensemble, World of Spiritus Santos. Le résultat est là. Vous voulez le résultat vite, vite. Alors, on a dit fast food. Allez chez Marabout, ça sort là. Vous voyez? Alors le Seigneur Jésus-Christ, lui, travaille en son temps. Il est dans l'éternité, mais il travaille sous le soleil, dans le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Alors il dit, dans l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, il y a une façon de se comporter. Il y a le code qu'il a donné. Qui donc peut se lever contre le code du Seigneur Jésus? Qui peut donc se lever contre ses instructions? J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Attester que c'est vrai. Vous devez suivre ainsi. Vous devez marcher comme ça. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est ce qui est écrit dans ce livre de Colossiens, chapitre 2, verset 6, n'est-ce pas? Marchez en lui. On marche en lui. C'est en lui que vous avez été appris, que vous avez été instruit à vous dépouiller. C'est nous qui devons nous dépouiller. Il s'est déjà dépouillé, il s'était dépouillé de sa gloire pour pouvoir dépouiller les dominations. Maintenant, il nous demande de nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller. Ce n'est pas lui qui doit se dépouiller. Il s'est déjà dépouillé de sa gloire et maintenant, il est assis à la gloire. Il attend maintenant que nous nous dépouillons pour marcher sur cette trace-là. Donc, tout ce qui nous crée de la gloire dans le monde, on doit s'en dépouiller. Pour que ce soit, toute gloire lui revient. D'accord? Quelqu'un dit encore les récabites. Pointe quelqu'un, tu dis que tu es un récabite. Et tu dois enseigner tes enfants, les récabitons, à être récabites. Oui. Donc, oui, effectivement, que les récabites avaient, la première génération avait reçu une instruction. Ils ont transmis la même instruction, de telle enseigne que, malgré qu'ils étaient au milieu d'un peuple à Jérusalem, ils ne se pervertissaient pas, ils ne se mixaient pas avec leurs coutumes. Ils sont venus trouver les coutumes des gens de Jérusalem, les lois établies. Ils disent que c'est beau. Vous, nous sommes les récabites. Ils n'ont pas perdu leur identité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et c'était pour leur avantage. La question c'est que je me pose et que je vous pose, c'est ceci. Qui leur a donné la force de vivre comme ça? Sans que personne ne sorte de cette famille pour dire. Mais c'est même quoi nos parents disaient comme ça. Il faut qu'on voie la réforme. Regardez ce qui est arrivé avec toutes les dénominations. Tous sont sortis. Zwingli. Martin Luther, tous ceux-là sont sortis comme ça, avec Jean Calvin, donne les doctrines. Aujourd'hui, les gens font les conférences pour essayer de discuter encore de la thèse qu'il avait faite. Vous voyez, on n'en donne pas les femmes, mais on peut créer quand même l'ouverture maintenant, changer les constitutions, les règlements intérieurs pour que les femmes soient là. Par conséquent, ils ont commencé à ordonner les femmes. Dieu va les juger sur la base du fait que ce n'est pas le message qu'il a donné à Zwingli. Il va les juger sur la base que ce n'est pas le message qu'il a donné à Jean Calvin. Sur la base que ce n'est pas ce qu'il a donné à tous ceux dans tous ces meneurs qui ont passé au fil des temps. Pourquoi? Lorsqu'ils sortent, ils partent, les gens pensent qu'ils peuvent mettre leurs pensées. Et c'est le mal dans là-bas. Donc, si quelqu'un a pour code de conduite la Bible, il marchera d'après la Bible. Si quelqu'un a en dehors de la Bible, quelque chose qui joue à côté de la Bible, il va aller à la dérive. Il va aller à la dérive. Parce qu'on ne peut pas modifier le plan de Dieu. Personne ne peut modifier le plan de Dieu. Et il ne modifiera pas son plan pour nous plaire. Il a les décisions qu'il a prises depuis l'éternité. Personne, c'est comme ça qu'on ne pouvait pas faire autrement que jusqu'à qu'il naisse de la Vierge. Parce qu'il avait là décidé que c'était une Vierge qui devait naître. Il avait décidé qu'il devait faire 3 jours dans le ventre de la terre. C'est venu, ça s'est accompli ainsi. C'est ainsi donc pour chacun de nous. Ce qu'il a décidé, il va l'accomplir. Amen. Amen. Bonjour les récabites. Bonjour les récabites. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
C'est ce petit écho extrait que je veux vous montrer afin qu'on comprenne qu'on doit être des chrétiens obéissants et non des chrétiens philosophes et raisonneurs. Les philosophes et raisonnements doivent quitter, doivent nous quitter. Les philosophies et les raisonnements doivent nous quitter. Parce que si tu continues à philosopher ou à raisonner, la Bible déclare que tu te trouves en plein filet de l'ennemi. Il dit que quelqu'un ne vous fait quoi? Ne vous capture pas par cette philosophie des hommes. Sa proie. Vous entendez ce qu'on appelle la proie, non? Donc, quand tu entres dans sa bouche, là, la Bible déclare de Satan qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. Satan ne relâche pas ses prisonniers. Il faut que ça soit la même puissance du Seigneur Jésus-Christ qui vient l'arracher là-bas. Donc, ne faisons pas la philosophie et le raisonnement dans la parole du Seigneur. Allons dans la parole du Seigneur avec un cœur doux, humble. Si tu ne comprends pas encore, dis Seigneur, je ne comprends pas. Enseigne-moi tes voix. Il aime ce cœur, là, cette position. Au lieu de dire, ici là, tu ne peux pas me convaincre. C'est démoniaque. Si c'est démoniaque, comment le Saint-Esprit va s'avancer? Vous voyez ça? Il ne peut pas. Donc, il faut qu'on change la pensée. Il faut que notre pensée soit changée et que la parole de Dieu nous pénètre. Il y a des éléments simples dans la parole que, frère, quand j'ai cru, je mettais la Bible. Si j'explique ça, peut-être vous n'allez pas me saisir. Je mets la Bible, c'est comme s'il y a une Bible là-bas en grande nature, qu'on me dit ce que ça veut dire. Simple. Je ne savais pas quand j'ai cru, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui croyaient que Jésus n'est pas Dieu. Je ne savais pas ça. J'ai prêché, quelqu'un dit que mais, non, il y a la Sainte Unité. Mais Sainte Unité, c'est encore quoi? J'ai commencé à lire et dire, mais qu'est-ce que la Sainte Unité? Alors, il a commencé à me conduire. Comment les gens parviennent à comprendre que c'est la Sainte Trinité? Je comprends. Les éléments fondamentaux, c'est-à-dire que les B à bas, tu demandes comment quelqu'un a pu à croire qu'il y a trois personnes dans Dieu. Je ne sais pas comprendre. Trois personnes dans Dieu. Tu dis comment, où est-ce qu'il va chercher cela? Ils sont allés apprendre Dieu. Le Dieu de ce monde aussi leur a appris qui est Dieu en donnant sa part d'interprétation. Quand c'est le Seigneur qui se révèle, tu sais exactement qui il est. Quand Ézéchiel s'est tourné un de ses jours pour le regarder sur ce trône-là, il a vu comme ça que c'était un homme. Quand Ésaïe s'est tourné là-bas, comme il s'est révélé dans le temple, il a vu que c'était une seule personne qui était là-bas. Quand Daniel s'est tourné, il a vu là-bas, il a vu que c'était lui qui était tenu. Quand Jean l'a vu là-bas sur cette île-là, c'est lui qui mettait les pieds là et de ce côté-ci. Il est allé dans le ciel, il a vu que c'est lui seul qui est là-bas. Personne de tous ceux qui sont dans la Bible ne peut voir deux personnes. Il peut voir trois personnes. Mais ce siècle-ci, on a vu trois. Garde encore l'autre, a dit qu'ils sont neuf. Donc chaque personne est trois. Chaque personne est trois. Chaque personne est trois. Si vous dites que vraiment, je mets là-bas, vous suivez ce qu'ils disent. Il dit que je vais vous scandaliser. Il dit que chaque personne est trois, que le Dieu du Père a les os. Donc il est entendu l'os là. Que Dieu le Père a l'os. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Le Saint-Esprit a le corps, l'âme et l'esprit. Le Fils a l'âme. Donc ça fait neuf dieux. Alors on avance comme ça, chaque personne va venir prendre que chacun c'est 9, ils seront à 49. Vous voyez là on en est. Pourquoi? La philosophie des hommes, le raisonnement humain. Et quand on trouve cela, quand on voit les choses sont logiques, logiques, logiques. Les choses peuvent être logiques sans être vraies. Quand les Sadducéens dont vous avez pris l'exemple ici, quand ils ont dit au Seigneur Jésus, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, n'est-ce pas, ils avaient pris cette logique depuis. Ils savaient ça qui contredisait les pharisiens. Mais les pharisiens ne parvenaient pas à démystifier ce qui était là. Mais c'était logique. Oui, c'est quand même cette personne qui ont connu une seule femme. Oui, frère, là, quand nous disons qu'il y a la résurrection là, ils vont se marier avec qui? Il fallait qu'on respecte tout simplement. Car la résurrection n'est pas du mariage. Les doctrines, les fondations, ça s'écroule. Et ceux qui sont morts dans ça? Ceux qui sont morts dans ça, c'est comment? Vous voyez là, on est, vous êtes dans l'erreur. Ils disent que Moïse, et la Bible déclare que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, jusqu'il dit que c'est la résurrection dont il parle. Il veut qu'on leur montre noir et blanc que voici, il y a la résurrection. Jésus dit, quand il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il parle de la résurrection. Mais il ne dit pas la résurrection sans appeler le nom résurrection. N'est-ce pas mes chers frères? Donc faisons attention. Nous avons une responsabilité, perpétuer le respect strict des prescriptions de Dieu. On ne doit pas philosopher. Donc, au milieu de vous, si Dieu vous demande de vous envoyer de diriger n'importe où, il faut que vous sachiez que ce n'est pas discutable. Que frère, qu'est-ce que tu penses de ce que l'apôtre Paul disait? Je ne pense pas. Donne les instructions. L'apôtre Paul a dit ceci, point final. Si vous ne pas le respecter, il a dit hier que ceux qui créent les divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Ne blaguez pas parce que c'est par l'enseignement qu'on peut amener les gens en enfer. Par l'enseignement, on peut restaurer des vies, construire des vies et édifier. C'est pour cela que les enseignants seront le plus jugés. Et c'est pour ça qu'il a averti qu'il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre d'enseignants. Tu les vois comme ça, ils sont assis. Chacun le col blanc, col blanc, col blanc. Tu dis quoi, docteur, quoi, apôtre, tu sais. Vous sautez d'où beaucoup comme ça. Et quelqu'un se fâche dans sa famille, il appelle son enfant prophète. L'autre, là, sa fille prophétesse, sa femme est docteur. Le petit qui veut devenir apôtre.
Dans une famille comme ça là. Ah Seigneur, que aide, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Donc que le Seigneur vous bénisse pour cette matinée. Il y a tant de questions. Bien d'abord, parlant, on a ouvert un peu la presse hier, parlant des trois jours et trois nuits, qui Jésus devait faire dans le ventre. Et quand on regarde la parole, on dit qu'il est mort avant que le sabbat ne commence. Oui. Donc, puisque le sabbat était entre, disons, vendredi 18h, samedi 18h, maintenant ça suppose donc qu'il est mort le vendredi. Oui. Avant que le sabbat ne commence. Et si on met... on a donné l'heure clairement que c'est à 15h. Voilà. Donc, et si on compte 3 jours et 3 nuits, oui. Comme il a dit, c'est qu'il est ressuscité lundi matin. Lundi matin. Mais le problème, c'est qu'on a dit qu'en allant le premier jour de la semaine, on a trouvé que le tombeau était ouvert. Donc, ça pose un problème. Quelle est la solution, frère? J'ai remarqué que de nos parce que moi, comme tu disais que depuis que j'ai cru, je sais que c'est Jésus qui est Dieu. Donc, automatique. Chaque fois qu'ils disent la Bible, ça me ramène seulement à ça. Même quand tu ouvres l'Apocalypse, tel que c'est présent là-bas, il n'y a rien à dire. Comment il se présente à l'église de la Odyssée. Voilà. Mais aujourd'hui encore, les conflits où, même avec les frères que tu prends, on veut présenter Jésus un peu comme au-dessus de Dieu. Comme un peu moins que Dieu. Et moi, ça me pose un problème parce que j'ai dit, je crois qu'on a même partagé ça ici. Toute personne qui dit qui met Jésus un peu moins même que Dieu, c'est déjà l'Antichrist. C'est ce que la Bible dit exactement. Voilà. Parce qu'il se définit comme l'Amen. Bon, c'est à l'âge de la vie. Bon, je pose la question. Ouais. C'est pour cela que quand quelqu'un vient devant moi pour parler de cela, je lui donne trois propositions. Ou tu m'enseignes, ou tu as enseigné, ou tu te tais. C'est simple. Il ne faut pas discuter. Si tu dis, c'est pour ça que il y a de ce groupe-là, je crois que dans la voiture, nous parlions quand nous venons. Le groupe qui était là. L'autre était assis là, il était hostile. J'étais fatigué parce qu'on était dans le jeu. Il s'était versé là comme ça. Il était expliqué. Il parlait de. Il faut que l'homme se connaisse, il faut que l'homme se reconnaisse sa définition pour se rejoindre avec le créateur de l'univers. Que le père de l'univers veut que les gens le connaissent. Et comment on va faire? Il faut réfléchir effectivement, comprendre d'abord l'homme. Il faut comprendre l'homme. Il bavarde. L'autre essaie de tant bien que mal de concorder ça avec les versets bibliques. J'étais assis là. Quand ils ont fini de partager le casse-croûte là, quand j'ai mangé, j'ai fait. Ah, non, je peux parler. Il dit, est-ce qu'il peut parler? Ils ont dit oui. Et assis, tout le monde s'est assis, vous. Je suis tenu debout. Il dit, qui parmi vous qui a parlé, c'est à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Qu'il se lève. Chacun bougeait comme ça. Donc tous les philosophes, ils ont sorti de Limbe, ou Zeboya, ça les fait. Je pose la question, j'ai deux questions. Je pose la question, quand vous allez finir, vous allez répondre, je vais avancer. Il dit, vous qui parlez, avez-vous rencontré le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un l'a rencontré. Parce que l'autre commençait à dire, moi, je n'étais pas pentecôtiste, j'étais fait pour être pasteur, celui qui lisait la Bible. Ils ont trouvé ces manigances-là. Il y a un moment qui dit que j'ai prié pour les gens, étaient guéris. Mais en tout temps, elle était là partie. J'ai dit, je voulais l'attraper. Je leur ai dit ça là-bas. Je voulais que cette femme-là soit ici pour me dire en quel nom il priait, qui guérissait, comment, et comment elle a fait pour vous retrouver dans votre groupe. Parce que vous lui dit que, il veut pas là dire que si vous priez au nom, c'est que vous priez, vous avez la guérison. Vous n'êtes pas dans la vérité, à moins que vous reveniez ici-là. Donc, je leur ai demandé. Qui parmi vous a rencontré le Seigneur Jésus-Christ ici? Comment tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas, frère? Comment? Et les gens pensent qu'ils discutent que Jésus est. Il t'a envoyé. Dieu peut parler, pas vrai? N'est-ce pas qu'il a fait la bouche? S'il veut parler, il va parler, non? Jésus a dit tout à l'heure, nous on venait, voilà, qu'il a envoyé ces gens pour attester ces choses. Donc s'il veut attester quelque chose, il va attester. Il va faire rien ne peut le bloquer, pas vrai? Alors là, les êtres humains ont pris le devant, aller apprendre. Il y a un frère qui avait écouté l'enseignement sur le baptême qu'on a vu là. Il est allé décider, il était assis. Il a pris son ordinateur. Son but était de prouver que mon enseignement était faux. Il allait écrire le baptême. Il partout. C'est ma femme qui peut raconter toutes ces histoires. Je me souviens plus ce qu'il a vu. Il a écrit dans le document. Venez me donner. Je n'ai jamais lu ça. C'est parce qu'il avait écrit à l'intérieur. Il s'est assis un jour au milieu de l'assemblée. Dans le projet, il a baissé la tête comme ça là. Après, lui-même, encore plus le document. Encore, il dit frère, je ne sais pas. Qu'est-ce que moi j'écrivais ici? La question c'est qui l'a inspiré. Pourquoi tu prends la Bible que tu veux dire autre chose? Comment tu peux dire qu'il y a deux dieux ou il y a trois? Comment on peut dire que le trône des dieux et de l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau? Donc, tu vois, donc on ne doit pas parler de lui sans être envoyé. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 14. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés?
Oui. Ils doivent être envoyés. Prier dans Luc 10, il dit prier dans le maître de la d'envoyer à sa donc tout ce qu'on a fait c'est Seigneur envoie nous les bons enseignants. Il faut que lui il envoie. S'il n'envoie pas tout ce que vous faites là, même s'ils disent vrai, c'est pour l'eau. Non, même pas l'eau, il a passé, c'est pour le feu. On se comprend, frère. Dieu doit envoyer quelqu'un. Si Dieu ne t'envoie pas, oublie. Donc tout ce que tu as envie de faire, ça c'est pour toi. Dieu n'a pas venu dire que sur la terre, les pasteurs que j'avais envoyés ont tout fait une fois, mais au moins toi tu as quand même fait, même si je ne t'ai pas envoyé, entre ici. Jamais. Les noms sont écrits. Il va dire, pasteur, entre avec ton groupe. Tu entres avec ton groupe. Il va regarder. Bon, il est serviteur. Je t'ai donné combien de talents. C'est dans la Bible. Donc chacun va entrer. L'apôtre va entrer avec ceux de son groupe. Pierre va entrer avec ceux de son groupe. Irénée va entrer. L'apôtre, tous les autres vont entrer. Chacun va entrer. Tchad va se présenter. Guetter tous ceux qui sont derrière comme ça. Ils sont partout dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être là physiquement. Ils sont partout. Quand tu crois, tu dis amen à cela. Tu es intégré là-dedans. Simple. C'est ainsi par le Seigneur. Vous comprenez cela? Alors il faut savoir de quoi il est question. Il est question d'adhérer à ce que le Seigneur a dit, de prendre position pour le Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Donc frère, on ne doit pas parler de ces choses-là. Quelqu'un vient discuter sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Un être humain aussi dit que je ne suis pas d'accord. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il t'a dit, Jésus t'a parlé. J'ai dit aux gens que dis-moi qui parmi vous a rencontré Jésus. Il a pris 15 minutes pour me dire qu'ils sont fatigués. Ils sortent d'un séminaire là-bas. J'ai dit, tu as pris 15 minutes, j'aurais souhaité que pendant 5 minutes tu me dis, ça n'a pas besoin de 2 minutes. Tu me dis oui, j'ai rencontré Jésus. Non, je n'ai pas rencontré Jésus. Ils auraient été satisfaits. Donc qu'est-ce qu'il en est? Satan a ses disciples qu'il a envoyés. Ils ne vont pas dire Jésus-Christ n'est pas ressuscité de mort. Croyez en Satan. Non. Ils prennent les aspects de la Bible. Même Satan, quand il veut venir prêcher, il prend la parole de Dieu. Il va et prend sa Bible pour prêcher. Il dit, quand il vient prêcher la Bible, il prêche la Bible de Dieu à son interprétation. C'est ainsi que ses ouvriers le font. Il y a souvent un de ces moments où je sors, je sais que si vous poussez avec un bouton, vous pouvez appuyer, mais ça, bam, il disparaît. J'appuie, il disparaît, rentre-moi. Je vous le dis. Parce que c'est fort ce qui est en train d'arriver. Mais vous, vous voyez seulement que vous êtes enveloppé, vous êtes enchaîné, vous ne pouvez pas faire autrement. On va faire seulement avancer. Ceux qui la pratiquent.